Hoyo à tous, ici Lou et bienvenue dans l'autre façon de jouer pour ce deuxième Lou Horror Show sur Amnesia, le deuxième épisode sur Amnesia. Tiens, il y avait un trou dans le plafond, j'avais même pas vu. Et donc, on continue l'exploration de ce manoir, la recherche de la clé pour la cave à vin. On continue par ici. Top, de lui. Encore un piano. Ça sert à quoi d'avoir deux pianos? Non mais sérieusement, ça sert à quoi? Allume-toi, Sésame, allume-toi. Bon, comme ça après je peux fouiller tranquillement, là y'a rien. Là-dedans peut y avoir des boîtes de manou quelque part. Wow! Old West. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Il y a un truc là. Oh, qu'est-ce qui... Ah bah je suppose qu'on repartira pas par là. Ça me paraissait évident. Ça peut pas être cassé à la main, ok, d'accord. Bon, ici par contre. Wow, ça s'est bien cassé la gueule. Hein. La vache. Il y a une note. Cool. Ok. Et là-dedans, une boîte de matou. Bon, on va lire la note. Waouh. Oh. Ok. Cette lecture trop chouette. Je m'ai donné pendant tout ce qui m'a semblé une éternité à marteler cet impeccable stone wall pour what seemed like an eternity. I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanted light. It was waiting for me, enclosed in dark nothingness. I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers, began to spark brightly and spiriting away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arab pulling me to safety, grasped firmly in my hands with the broken pieces of a most relic. Ah. Quelqu'un qui joue du piano. J'ai pas le droit de jouer du piano. Bon. N'empêche que je suis toujours coincé. Je peux pas aller par là, là. Je peux pas être cassé à la main. Je peux pas balancer un truc. Y'a pas quelque chose là. Un caillou. Est-ce que si je balance un caillou, ça le fait? Ah ouais. Oh putain, il est balèze le caillou. Ok. Voilà. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Ouais, ok. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Dandre. Là, il y a un passage là derrière cette bibliothèque. Ok. Énigme. Alors, attention. Je vais aller par là. Par là, il me faut de la lumière. Voilà. Là, il y a un truc à casser. On va prendre la note. Château de Brandenburg. Hallstatt est une autre région riche en traditions située dans les... Vous savez quoi, ça c'est pas très important, donc je vais pas vous le lire.
Je vous laisse, je vais le défiler pour que vous puissiez le lire. Donc faites sur, appuyez sur pause si vous voulez le lire. Hop, donc là, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Mince, bon, je croyais que j'avais pas fini. Attendez, je vous le remets. Voilà. Hop. Troisième partie, quatrième partie. Le baron de Brandenburg. Ça, ça parle du mec qu'on suit là. Et la fin. Ok. J'ai mal de tête, ça va. Ah bah c'est parce qu'il faut les utiliser. Ah ok. Je suis bête des fois. Voilà. Par là. C'est fermé à clé. Ah, il y a un bouquin là. Ah, et là aussi. Ah, est-ce que c'est une énigme à base de bouquins qu'il faut bouger? Ça serait bien ça, ouais. Il y en a un là aussi. Ok, bah on va commencer par le plus loin. Et celui-là, c'est le dernier. Tada! Pff, trop facile. Trop facile. Oh, ok, c'est parce que je m'en souvenais aussi. La première fois, j'avais vraiment, mais vraiment galéré. Ah! Hey! Wow! Genre la porte qui était fermée à clé qui s'ouvre toute seule. Non, mais n'importe quoi. Ouais, donc ouais, je disais, la première fois que j'avais fait cette énigme là, j'avais un petit peu galéré. Hein, parce que j'avais pas compris que ça faisait des trucs comme ça. C'est pareil, je vous laisse lire. Voilà, je veux pas toujours lire. Bah, en gros, quand c'est compté et tout, je vous le lis parce que c'est important pour l'histoire. Mais là, pour comprendre ce qui est arrivé à Daniel, mais là, hop, dégage toi. Y'avait rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ok, bon, on a la clé. On peut se partir de cet endroit. C'est par où déjà? C'est par là. C'est pas par là. Ah bah oui, forcément, ça va pas bouger. Ah mais c'est bon, j'ai compris, je crois ça. Wow. Ah! Oh non, pas déjà ces créatures. J'avais oublié qu'ils arrivaient aussi tôt. Bon, alors ça, vous voyez, c'est pas bien. La créature là que vous avez vue très brièvement. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est méchant. Je me suis rendu compte que j'ai pas lancé de chrono pour cet épisode là aussi. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah! Aïe! Ah! Dégueulasse ce truc. Ah, ça bouge en plus. Oh, arc. Bon. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un passage ici. Ah bah, hé. Hey. Hop. Toujours 7 prix. Boîte d'Amadou. Non, je vais pas allumer ce qu'il y a là. Bon, alors la cave à main maintenant. Ah, ça va commencer à être galère. Ah oui, mais je l'ai la clé. Voilà. On va dans la cave à vin. Ok, bon, il fait noir. Ça y est, on commence, il fait noir. Y'a rien là. Ah non, c'est peut-être là où il y a des escaliers, non même pas. Where did the baron go? Who cares? Nulle part où il y a de la lumière. Oh, allez, sérieusement. Et cachez-vous dans le noir. Ah, il parle d'ennemis. C'est pas bon signe. Ok, c'est parfait ça. Donc il part d'ennemis, c'est qu'il risque d'y en avoir. Donc il faut se cacher, hop, comme ça. Et rester dans le noir. Le noir où, qu'on n'aime pas parce que ça nous fait devenir fou. Bien sûr. Hein? C'est pas drôle sinon.
Gautamadou là. Ouais. Ok, bon là ça. Donc là ça veut dire que ça va commencer à être intéressant si je puis dire. Là c'était fermé, je peux pas déplacer ça. Ok. Ah non, de leur piment. Ah voilà, on avait besoin de ça. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah on va aller dans ce sens-là alors. Je peux baisser ça, il n'y en a plus besoin. Ok. C'est quoi ça? Oh, tu le tapes. Oula, merde. La bestiole. On va la laisser s'enfuir. Voilà, on va laisser partir. J'ai récupéré tout ce que j'avais récupéré ici. Alors attendez. Donc on a de l'or piment. C'est quoi? Et il fallait de l'eau machin chose aussi. De l'eau chelou. Ah oula, les mains tremblent. Ça c'est pas bon ça. Donc on va le laisser là-bas. Là, ce qui est. Ok. Là il y a des trucs. Ah, là il y a sûrement des trucs très intéressants. On va allumer ça, attendez d'être tranquille. Cuprite. Oh. Cuprite, c'était aussi des trucs qu'il fallait récupérer. Des trucs derrière. Jamais, on sait jamais. Hein. Non, là, il n'y a rien. Là, par ici. Par-dessus, non, il n'y a rien. Ok. Bon. Il ne reste que deux endroits où aller. Derrière cette porte et ici. Ah, c'est. Waouh. J'ai pas envie d'aller là finalement. Aussi, il faut bien. Y'a rien. Y'a rien ici. Pas un endroit pour mettre de la lumière. Si, là, là, là. What's happening? Oh, ah, feel like my chest is going to burst. Oula. My God, Wilhelm, do something! Except that we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit, let us out of here! C'est sympa les petites expériences qu'il a menées ici, hein. Ok. Ah, on voit rien ici. Bon, tant pis, je utilise un peu de lanterne. C'est pour vous, hein, que je dise. Oh, de l'origan, voilà. Parfait. Alors, le dernier mot de Wilhelm. Non, non, Wilhelm, maison de Wilhelm. Ah, c'est pareil, je vous laisse le lire, ça. Voilà. Enfin, nous voir à l'Anver. Machin chose. Voilà. Bon, on a. L'or piment, le cuprite, l'eau régale, et il nous manque un truc, donc on va avoir dans le dernier endroit. Ici, ok. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Ah oui, je me souviens. Ok, ok, ça permettait de remplir un peu d'huile dans la lanterne. Hop, je le mets là, ça va être pas mal. Ah, la quête, le dernier. Ok, fallait que ça tombe sur la tête quoi. Mais sérieusement. Relève-toi. Oh non, en plus j'ai utilisé ça pour rien. Ici, hop, vite fait, je prends la boîte de Tamadou. Ok, y'a rien. Bon, toi, allume-toi. Hop, voilà. Oh.
Je peux. Est-ce que je peux? Oui. Waouh. Vas-y. Pousse les cailloux comme si c'était rien. On ne dira rien. Ah. C'est compliqué quand même. C'est pareil, hein, les poutres. Vas-y, trimballer, y a pas de souci. Évidemment, faut que je bouge celle-là aussi. Ok. Bon. On va le faire. C'est suffisant. Nickel. Tada! Bon, allez, je vais monter. Maintenant que j'ai tous les objets qu'il faut. On va retourner dans le laboratoire. Les vêtements sentaient le désert et le musc humide. Les morceaux étaient retournés au-dessus. Un peu trop, pensa-t-il, ou peut-être trop peu. Ah, non, 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 non. Ah, pas encore ce truc. Ah, il faut aller là, là. Ah, c'est dégueulasse, ce truc. En fait, ça apparaît dès qu'on avance dans le jeu, quoi. Et c'est dégueulasse quand même. Bon, on a de l'eau forte, on a récupéré, on a tout. On a tout, on a tout, on a tout. Hop. Aïe. Ça fait mal ça. Quel idiot qui a voulu descendre comme ça. Ah, c'est bon. Il y a un truc là-dedans. Bon. Je vais allumer ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, le flacon, voilà, faut le... Non, faut pas le mettre là. Ah si, c'est bon, ça l'a mis. Ouais, c'est bon, ça l'a mis. Alors, leur piment. Ok, il le met tout seul. Voilà. Bon, il met tout seul, c'est parfait. Ouais, je suis calme. On se calme, j'ai dit. Le château, tu te calmes. Voilà. Hop. Alors, les brûleurs. Ah. Le met ça là. Comment je fais? Les brûleurs. Ah. Ah voilà. Ok. Alors, c'était un quel ordre? Dans les notes, première expérience du laboratoire. Alors, est-ce que ça a une importance? On va voir. Flacon d'acide, nickel, on a de l'acide. Bon, attends, faut qu'on sorte de là. Ah. Oh non, mais c'est trop lourd. Arrêtez de tout casser. Est-ce que je peux sauter par là? Hop. Non, ça marche pas. Non, mais franchement, c'est trop lourd là. Passage qui s'est ouvert ou je sais pas quoi. Vous faites ici tout là. Franchement des objets, des endroits difficiles à atteindre. Ah cool. Ah, ah. Vas-y. Oh bah parfait, ça s'installe tout seul. Nickel. Bon, je garde ça allumé. Hop. Et voilà. Pouh. Trop facile. J'ai même pas fait exprès. Bon, bon, bon. Dès qu'on résout une énigme, on se prend des dégâts. Quelques coupures et contusions, ça va. Améliore l'état de santé et facilite la guérison. Ah, c'est pour soigner ça. Ça, j'utilise ça pour servir.
Ok. Peut-être aux portes de l'explosion. Bon. On va aller par là alors. En fait, il y a écrit quoi là? Raffinerie. C'est pas le sanctuaire intérieur. C'est le chemin vers le sanctuaire intérieur. Ah. Et voilà. Ça, là-dessus. Ah ah ah. Ce truc dégueulasse là. Bon, on va aller à la raffinerie alors. Nickel, on avance. On progresse bien. Bon, pour l'instant ça va, c'est facile. Parce que c'est le début. Vous allez voir, après ça va se corser un peu plus. Hein. Et parce que je me souvenais vaguement de ces énigmes là. Il y en a certaines, j'ai plus galéré et je pense que je vais pas m'en souvenir. Voilà, lumière tout de suite. Hein. Je vais pas allumer la première. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness? That is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Okay. C'est si dangereux que ça ici? Ah, ça suffit avec les flashs, moi je veux pouvoir voir. Wow. Soyez prudent, lorsque vos ennemis sont en baissant dans le noir, vous serez difficilement repérable. Ok. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a des ennemis? Oui, ça sous-entend qu'il y a des ennemis. Ok. Je suis pas dans le noir. Mais ça ira. Ah, sale bête. Donc eux, pas gentils. Eux, pas bien. Okay. Un message éclair. Ok, toi je t'aide. Toi je t'aide. On va aller tout doucement par ici. Ah, coupé. C'est pas cool. De l'huile, je prends. Y'a rien. Enfin, je prends pas. Attends, y'a quoi? Ok. Attends, y'a du laudanum. Je prends. Oh, tu calmes, c'est moi qui décide. J'en ai un team. Alors, plus d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière entrée. Après l'événement à l'intérieur de la chambre souterraine en Algérie, le professeur Herbert a insisté à ce que je retourne en Angleterre. Il a dit qu'il ne voulait pas risquer de mettre en péril toute l'expédition de peur qu'il m'arrive un malheur. Une décision que je trouvais un peu trop excessive à l'époque, mais que je sais apprécier aujourd'hui. Ce matin, j'ai trouvé mon journal par hasard dans ma collection d'objets ramenés d'Afrique. À côté de lui se trouve la pierre brisée de l'or enveloppée dans un tissu. J'ai essayé de l'assembler, mais en vain. Les morceaux ne correspondaient pas, comme s'ils n'appartenaient pas au même objet. Est-ce que je pourrais avoir imaginé tout ça? Un orbe complet a-t-il vraiment existé? Ah bah... Vu ce que tu racontes, t'es peut-être devenu cinglé, hein, mon pote. Pote Daniel. Ok, alors. Il y a plein de trucs ici. Cette porte, ça mène là, c'est bien ce que je pensais. Ah, il y a un petit passage ici. Est-ce qu'on commence par ça? On commence par ça. Waouh, se calme. On va remplir cette huile. Ok. Ouais, c'est pas exceptionnel. C'est quoi ça? Flacon chimique. Ah tiens, je l'ai gardé ça. Non, ça pourrait servir. Je pense que s'il nous le redonne, c'est que ça peut servir un moment. On peut te damer tout. Ah ok, faut que je tourne ça. Ah bah de toute façon là j'aurais pas pu l'ouvrir. Hop. Je vais la garder fermée, on sait jamais. Y'a pas une torche ici? Non, bon tant pis. Ah, quelque chose qui bloque. Ah oui, un truc qui bloque là. Hop. Ah. Bon bah ça bloque plus alors. Bon maintenant tu ouvres. Mince. Ah. Ah bah c'est bon. Y'a quoi là-dedans?
Ok. Bah j'irai après hein. Ça. Si je peux pas descendre, j'irai après hein. Enfin si je peux pas remonter, je veux dire j'irai après. Je vais d'abord fouiller et récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, genre. Hop, une boîte d'amadou. Boîte d'huile par ici, par hasard. Voilà. Hop, j'aurais loupé deux boîtes d'amadou si je l'avais fait. Si j'avais fait. Ah et une note en plus. Oh merde. Wow, on se calme. Les créatures, vous calmez. Hein. Non mais bon, je disais, il y a une note. Voilà. Je ressens le besoin de continuer ce journal, bien qu'il n'ait été créé que pour mon voyage en Afrique. Ça va être quelque chose d'important, je le sais, c'est tout. J'ai à nouveau voulu rapiécer l'ordre, mais c'est plus difficile que je ne l'aurais pensé. Les morceaux se comportent étrangement, semblent changer de couleur, de forme et de texture, mais très légèrement. Hier, j'ai pris des mesures de précaution et j'ai noté toute altération importante. Aujourd'hui, j'ai pu confirmer mes soupçons. Ils changeaient. J'étais terrifié, je me suis précipité pour voir le meilleur géologue de Londres, Sir William Smith. J'ai abordé le sujet avec précaution et nous avons discuté du changement de couleur des roches. Il m'a parlé de la nature du verre, de comment il parvient à s'effondrer sur lui-même, tout comme la fonte des glaces au cours des siècles. Ah mince, je crois que j'ai pas lu le dernier truc. C'est pas grave. Ok. Bon. J'ai plus besoin de ça. On va là-dedans. Tada! On dirait qu'il y a des yeux, on dirait que c'est des yeux. En fait, ça englobe un caillou, mais on dirait qu'il y a des yeux. Je marche pas sur ces trucs-là, par contre, hein, faut pas déconner. Et là, on va dans les archives du sous-sol. Donc, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cet épisode et on changera de zone dans le prochain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, see you!